Bonjour à tous, je m'appelle Lewis Wallace et je suis coach de golf professionnel. Une des erreurs fréquentes que je vois sur un parcours de golf lorsque je vois des amateurs jouer, c'est qu'ils font des mauvais choix stratégiques. Une mauvaise sélection de clubs souvent va coûter beaucoup de points sur un parcours. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo en collaboration avec Bushnell Golf et golfplus.fr pour vous présenter les 7 clés dont vous devez absolument mettre en pratique la prochaine fois que vous sélectionnez un club pour jouer un coup sur le parcours. Donc la première chose que vous devez prendre en considération, c'est la vision globale du coup que vous avez à jouer. Alors, évidemment, on est en confinement, donc je ne suis pas officiellement sur un parcours de golf, mais vous avez pu apercevoir que j'ai une magnifique vue d'un parcours. C'est le golf Blue Green de Sainte-Maxime et je suis sur la terrasse de la maison dans le sud de la France et j'ai donc un coup à effectuer d'environ une centaine de mètres. Évidemment, je ne vais pas jouer, mais je vais vous montrer comme si j'étais sur le parcours. Donc, la première chose à prendre en considération, c'est la vision globale du coup que j'ai à jouer. Par exemple, je vois que j'ai un coup d'environ une centaine de mètres. J'ai 3 bunkers qui représentent un petit peu le danger avec l'eau derrière. Donc, mon intuition est en train de me diriger petit à petit vers une mini décision que je suis en train de prendre. Donc, première chose, suivez votre intuition, faites-la travailler et prenez une représentation, une vision globale du coup que vous avez à jouer. La deuxième chose que vous devez prendre en considération, c'est le lie. Alors évidemment, est-ce que vous avez un bon lie ou pas? Est-ce que vous êtes dans le rough ou pas? Est-ce que la balle est dans un divo ou pas? Tout cela va influencer énormément le type de coup que vous allez jouer et donc la sélection du club que vous allez choisir. La troisième chose que vous devez prendre en considération, c'est la distance. Et c'est là où vous devez avoir un outil indispensable, quelque chose d'extrêmement précis. Et c'est pour ça que je suis très heureux de vous présenter le Bushnell V5, parce qu'il n'y a pas plus précis sur le marché que ce télémètre que j'ai actuellement dans mes mains. Je l'utilise pour aller sélectionner une zone sur le green. Donc là, en l'occurrence, encore une fois, vous savez que les parcours sont fermés dû au confinement. Donc je vais tout simplement prendre le milieu du green avec mon Bushnell. Et en fait, en l'occurrence, ce que j'adore avec ce Bushnell, c'est que lorsque je prends la cible, en fait, il y a le télémètre vibre et me donne en fait un cercle rouge autour de la zone. Donc ça, c'est vraiment top parce que ça m'indique que j'ai réussi à bien prendre la zone et donc du coup, j'ai une distance de 90 mètres. Okay, donc 90 mètres, maintenant, je commence à me faire une idée un peu du club sur lequel je vais m'appuyer. Donc là, en l'occurrence, pour moi, je vais commencer à me diriger petit à petit vers mon 52 degrés sans wedge. La prochaine clé qu'il faut prendre en considération, c'est l'aspect météo. Est-ce qu'il y a du vent, pas de vent? Est-ce, dépendant de la saison aussi, est-ce qu'il fait froid, pas froid? La température va changer énormément le choix de club aussi. Là, on est dans le sud de la France, il fait actuellement 22 degrés au mois de novembre, on est magnifique. Évidemment, mes amis qui se retrouvent dans la région parisienne où là où il fait peut-être 5 à 8 degrés vont avoir un choix de club qui va être peut-être différent que lorsque je suis à 22 degrés dans le sud de la France. Donc, prendre en considération la saison, la température et l'aspect météo, vent, pas vent, pluie, pas pluie, toutes ces choses-là vont influencer également le type de coup que je vais jouer et le choix du club. La prochaine chose que vous devez prendre en considération, c'est le dénivelé du terrain. Trop souvent, je vois les mêmes erreurs de la part des joueurs amateurs qui prennent la distance en compte. Donc, peut-être qu'ils ont pris la distance sur le GPS ou sur le marquage qu'il y a au sol sur le fairway, mais ils ne prennent pas du tout en compte le dénivelé du terrain. Et c'est là où le Bushnell V5 est vraiment top parce que si je reprends ma distance que j'avais tout à l'heure à 90 mètres, le Bushnell en fait me donne la distance automatiquement. Donc, il m'indique que j'ai maintenant en fait, en l'occurrence, 85 mètres. Donc, au lieu d'avoir 90 mètres, je vais jouer pour 85 mètres. Il m'annonce également le pourcentage de dénivelé que j'ai, en négatif ou positif. Donc ce qui est top, c'est que là, avec mon 52 degrés, je commence à me faire une idée sur, il ne faut pas que je tape à 90, il faut que je tape à 85. Et croyez-moi que ces 5 mètres, même si ça ne paraît pas beaucoup, ça peut être la différence entre le putt pour birdie et le putt pour le par. La prochaine clé, c'est évidemment les zones à risque. Bon, là, sur le wedging, je ne les prends pas trop en considération, mais je vois qu'il y a 3 bunkers qui encerclent en fait le green avec de l'eau derrière. Donc si vous avez une attaque de green beaucoup plus importante, les zones à risque, prenez-les en considération et surtout prenez-les en compte par rapport à votre trajectoire naturelle. Si vous faites du draw et que vous voyez que vous avez 2 bunkers à gauche, peut-être qu'il faut s'ajuster par rapport à ce danger pour pouvoir aller chercher le green. La dernière chose qu'il faut prendre en compte, c'est l'aspect humain. Vous savez, vous pouvez mettre toutes les choses que j'ai indiquées auparavant en application, mais si vous ne prenez pas en compte le facteur humain, potentiellement, vous allez choisir le mauvais club. Donc, le facteur humain, qu'est-ce que c'est? C'est concrètement être conscient de ses capacités physiques le jour J. Est-ce que vous êtes en forme ou fatigué? Est-ce que vous avez du stress? Est-ce que vous avez de l'adrénaline? Tout ça, il faut être extrêmement à l'écoute et avoir une vraie prise de conscience de l'aspect humain pour vous permettre de prendre toutes les infos logiques avant et ensuite de le rajouter à l'aspect humain. Et ça, ça va vous permettre de vous donner le meilleur choix de club possible. Donc voilà mes 7 clés pour vous permettre de faire une meilleure sélection de clubs la prochaine fois que vous avez un coup à jouer sur un parcours. Un énorme merci à nos partenaires Bushnell Golf et golfplus.fr. Pour connaître toutes les dernières spécificités sur le Bushnell V5, allez visiter golfplus.fr et je vous dis à très bientôt.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Facebook Live de ce soir. On est juste avant le Masters. D'ailleurs, le Masters est en ce moment en direct et j'ai le plaisir d'être en compagnie à nouveau de mon papa, Marc Wallace. Salut, papa. Hi, everybody. Alors, pour ceux qui parlent anglais, évidemment, on peut faire le live en anglais si vous le souhaitez. Donc, on est en direct du golf de Sainte-Maxime. Juste avant, vous avez découvert la vidéo les 7 clés pour avoir une meilleure stratégie de jeu, choisir le bon club en partenariat avec Bushnell et les Force Pédales qui sont les partenariats du Journal du Golf cette semaine. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre en place les 7 clés que je vous ai proposées juste avant de façon chronologique sur le parcours. C'est pour ça que je les ai établies vraiment une par une. Et aujourd'hui, dans ce live spécifiquement, on va parler de Tiger Woods et comment en fait il s'organise dans son jeu et comment il voit les différentes trajectoires et comment il arrive à les exécuter. À la fin de cette vidéo, je vais également vous proposer une analyse de swing de Paul Casey qui sera une vidéo que j'ai préenregistrée, que vous verrez tout à la fin de ce live, qu'on aura fini l'analyse de Tiger Woods. Et au passage, je tiens à vous préciser qu'il vient de commencer à pleuvoir un tout petit peu au-dessus de nous, donc on a mis un parapluie pour protéger l'ordinateur et le matériel. Si jamais il pleut trop fort, si vous nous voyez en train de courir pour rentrer à la maison, soyez pas surpris. C'est pour ça que j'ai préparé aussi la vidéo de Paul Casey au cas où, au problème technique, on doit rentrer à l'intérieur. Ok, donc le Masters qui a lieu en ce moment, Tiger Woods, personne avait misé dessus cette année, et pourtant, premier jour, alors on est encore loin du dimanche, on est encore très très loin, mais moins 4 lors du premier jour, je crois qu'il est actuellement dans le top 10, si je ne me trompe pas, 7e ou 8e. Et en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est de faire une analyse de swing, tout simplement, 1, parce qu'il a gagné l'année dernière, 2, parce que c'est le meilleur joueur de tous les temps, et 3, parce qu'il a une façon très particulière de voir les différents coups qu'il anticipe. Donc, j'ai fait appel à mon papa pour taper les coups. Moi, je vais expliquer comment il les réalise, donc les différents types de trajectoires qu'il réalise. Et mon papa, lui, de son côté, va exécuter les coups. C'est pour ça qu'il avait besoin de s'entraîner un tout petit peu avant. J'ai joué le rôle de Tiger Woods. Exactement. Il ressemble un peu, on dirait un petit peu. T'as juste à changer le logo. Mais sinon, ouais. La couleur est identique. Ouais. Donc, est-ce que papa, pendant que je regarde s'il y a des commentaires, donc au passage, n'hésitez pas, vous avez vu que j'ai marqué un petit quelque chose en bas à droite ou à gauche de l'écran. Vous voyez, si vous nous entendez correctement, appuyez sur le pouce pour nous indiquer que tout marche, tout fonctionne correctement. Et au passage, de quel golf vous jouez le plus souvent. Donc, marquez-le dans la zone de commentaires, ça nous permettra de voir un petit peu d'où vous venez en France, parce qu'avec mon père, on aime bien savoir quand on fait le live, à qui on s'adresse et d'où viennent ces golfeurs-là. Okay ? Donc, papa, je vais te passer le micro et je voudrais que toi, tu racontes, parce que ça fait des années qu'on regarde le Masters ensemble et non, on a l'occasion de le voir. Quelle est une des choses... Ça fait longtemps qu'on a payé ensemble, d'ailleurs. Quelle est la chose que tu apprécies, une des choses que tu apprécies le plus dans les semaines ? Je sais que tu voulais parler un petit peu des Honorary Starters. Donc, c'est la fameuse matinée où il y a Jack Nicklaus et Gary Player. Oui. Donc, je te laisse la parole. Oui, pas trop près, apparemment. Alors, justement, je vais te le mettre là, comme ça, au moins, tu es tranquille. Voilà, j'espère que ce n'est pas trop fort. Non, la tête, là, normalement, tu devrais être parfait. On a réglé les problèmes de la dernière fois, on avait... Moi, j'aimerais juste deux, trois petits mots sur... En fait, qu'on appelle les Honorary Starters, c'était les anciens, les vieux, qui sont démarrés. Je ne sais pas si vous avez la chance d'avoir vu le départ de Jack Nicklaus et Gary Player cette année. Et je trouve ça exceptionnel. D'ailleurs, Nicklaus, le Golden Bear, les meilleurs, etc. Mais vous avez vu le swing de Gary Player. Now, j'ai 62 ans, je ne vous cache pas que Gary Player, c'était mon idole. Quand j'étais jeune, peut-être pour vous, c'était Ballesteros. J'ai touché un peu Ballesteros, d'ailleurs. Mais aussi Tiger Woods, de nouvelle génération, etc. Mais bon, quand j'ai vu Gary Player au départ du Augusta, hier matin, à 7h30, le local, fait un swing absolument magical. Il a 84 ans. 84 ans. Et il avait un swing, Nicklaus aussi, pareil, Nicklaus était super, mais Gary Player, il avait un swing tellement sportif et tellement athlétique, 84 ans. Je ne sais pas quelle distance qu'il a fait avec la balle, mais pour moi, c'était vraiment impressionnant. Donc, ça me fait beaucoup de plaisir, parce que j'ai eu le plaisir, il y a quelques semaines, de rencontrer Gary Player, de parler de tout petit peu avec lui. Et d'ailleurs, j'ai sorti une cassette vidéo à l'époque, avec John Cook, le professionnel, et Gary Player a signé, a dédicacé cette DVD qu'on a sorti, VHS, pardon, avec cette cassette vidéo. On a trouvé dans les garages. Voilà, c'était le VHS. Voilà, exactement. Bon, bref, pour vous dire qui m'a impressionné vraiment, c'était le swing de Gary Player. Et c'est quelque chose que j'aimerais vous montrer un jour sur un live pour un seigneur. C'est quand même exceptionnel. Voilà, vous avez tout ce que j'ai à dire. Je vais peut-être chauffer un petit peu parce que je dois taper quelques balles. Donc, je vais. Parfait. Alors super, donc au passage, dites-nous
vous, votre moment préféré quand vous regardez le Masters tout au long de la semaine, parce que c'est un tournoi très particulier quand même, hein. Il y a ce fameux concours de par 3, peut-être que certains d'entre vous ont vu le trou en 1 de John Rahm qu'il a effectué, vous savez, où il a fait des ricochets au-dessus de l'eau. Dites-nous dans la zone de commentaires s'il y a un élément particulier que vous aimez bien dans le Masters, le par 3, peut-être un trou phare que vous adorez regarder, le Amin Corner. Enfin bref, peut-être que vous avez déjà été au Masters, dites-nous tout dans la zone de commentaires, ça nous intéresse de savoir, parce que nous c'est vraiment notre tournoi, avec le British Open, la Ryder Cup et le Masters, c'est vraiment les trois tournois qu'on adore, qu'on adore regarder. Alors, papa, parlons un petit peu de Tiger Woods. Donc, une des choses particulières de Tiger, c'est qu'il joue extrêmement, énormément sur l'aspect visuel. Donc, c'est un joueur qui est sur le parcours, qui ressent les choses, qui ressent pratiquement tout au niveau des mains. Bon, c'est une bonne nouvelle parce que les mains sont la seule chose qui sont connectées au club. Mais également, il a une grande capacité de visualiser tout ce qu'il fait. Donc, il joue vachement sur l'aspect visuel et sur l'aspect sensation au niveau des mains. Voilà comment il imagine tous ses coups. Et donc, aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu des trois façons où il joue sur les trois différentes trajectoires, donc trajectoire basse, intermédiaire et haute. Et ensuite, on parlera de la façon où il visualise le draw et le fade. Alors, Tiger Woods joue sur ce qu'on appelle un système de fenêtres, c'est-à-dire qu'il imagine 9 fenêtres différentes. Donc, si vous pouvez imaginer, en fait, si vous voulez, devant vous, ou devant mon papa, tiens, papa, si tu peux juste te mettre en place, hein, mettons légèrement en arrière, voilà, parfait. Si vous imaginez, alors évidemment, on le projette beaucoup plus loin qu'on est sur le parcours, hein, mais imaginez 9 fenêtres. Hein. Vous avez les trois fenêtres d'en bas qui représentent la trajectoire basse, les trois fenêtres du milieu qui représentent la trajectoire intermédiaire et les trois fenêtres du haut qui nous indiquent qu'on va faire une trajectoire de balle avec un peu plus de hauteur. Okay ? Donc à partir de là, à partir du moment où Tiger a ses 9 fenêtres, il va choisir en fait dans quelle fenêtre il veut que sa balle passe et ensuite voir l'effet juste après que la balle a passé la fenêtre. Il fait un petit peu la même chose au putting, où il visualise une porte au putting, où il imagine qu'il va taper une balle à travers une petite porte et qu'ensuite, une fois que la balle a traversé la porte, la balle va commencer à tourner vers le trou. Même chose avec les trajectoires, la balle passe la fenêtre et ensuite va commencer à tourner. Alors évidemment, on va vous dire comment il s'organise par rapport à ça. Mais rien que visuellement, le fait d'être derrière la balle et de commencer à tracer un trait, c'est quelque chose que personnellement, moi, je fais depuis que je suis tout jeune, je choisis en fait ma couleur préférée. Donc pour moi, c'est une couleur orange vif, très, très colorée. Et je visualise, il n'y a pas un coup de golf que j'effectue sans visualiser ma trajectoire de balle qui démarre de là où je suis et qui trace en fait, je trace ma trajectoire dans l'air. Donc pareil, peut-être que vous, de votre côté, vous vous dites, mais Lewis, peut-être que je ne suis pas aussi avancé au niveau de mon golf pour le faire. Mais rien que le fait de visualiser une trajectoire, le cerveau commence à fonctionner d'une façon où il va commencer à créer un schéma de swing qui va correspondre à la trajectoire que vous souhaitez. Moi, je suis curieux, papa. Donc, papa, Tiger, il a ces 9 trajectoires-là. Mm-hmm. Est-ce que toi, tu visualises les choses de la même façon? Quand tu veux faire un fade ou un draw, est-ce que tu es plutôt dans l'aspect visuel, sensation? Comment tu vois les choses, toi? En fade visuel, en haut, bas, visuel, en draw, plus technique. Parce que ce n'est pas mon coup naturel. D'accord. Donc, je suis obligé de penser quand même un peu plus de release au niveau des mains. Okay. Au niveau de la hauteur, ce n'est pas un problème. Mais au niveau de la release, tu as fait un plus de draw. Oui, ça demande un peu plus d'effort techniquement. Ça, c'est super intéressant. Donc, au niveau de ton coup naturel qui est le fade, ouais, tu le visualises très bien, tu le vois clairement. Ouais, ouais. Mais au niveau du draw, tu commences mécaniquement à réfléchir à qu'est-ce que tu dois faire pour effectuer la trajectoire de balle. Oui, mais je sais que je dois faire, mais je dois concentrer davantage pour le faire. Okay. J'aime juste ajouter aussi, parce que j'ai vu une petite vidéo de Tiger sur les approches, c'est pareil, lui c'est un joueur de feeling, donc en fait, souvent on dit, bah là, il faut imaginer que vous posez la balle là pour qu'elle roule ensuite là, mais lui, pas du tout, il a jamais dans sa carrière visualisé où il faut poser la balle pour qu'ensuite ça roule vers le trou. Je trouve ça très intéressant aussi, parce que, je vais dire, c'est sûr, comme Tiger, moi je suis un peu pareil, je ne sais pas les vieux professionnels qui regardent, les anciennes, mais pour moi, je regarde le trou, je ne vois pas où je vais le tirer, ça se fait naturellement, on va dire. Oui, en fait, il dit qu'il ne visualise pas du tout le point de chute. Point de chute, qu'en fait, tout se joue au niveau du feeling des mains. Exactement. Et en aucun cas, qu'il arrive à imaginer la balle qui tombe à un certain moment. Oui, je pense que pour les joueurs expérimentés qui jouent depuis très longtemps, très jeunes, etc., effectivement, c'est beaucoup plus naturel de faire ça que quelqu'un qui a démarré peut-être pas longtemps ou il a besoin de peut-être le faire parce qu'il n'a pas l'expérience. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs façons de faire. Absolument. Il y a des joueurs qui ressentent les choses vachement au niveau des mains. Mm. Moi, qui est ancien basketteur,
C'est marrant parce que j'aurais tendance à penser que je ressens les choses beaucoup plus au niveau des mains, mais alors que moi je suis beaucoup plus visuel parce que j'ai toujours été très créatif. Donc du coup, moi je visualise très facilement les trajectoires, les lignes sur les potes par exemple, je les vois en 3D. Quand je suis sur le green, j'arrive à visualiser en fait mon pote qui tourne en 3D. Donc c'est des choses que visuellement j'arrive à faire instinctivement. Et en fait, ce qu'il faut juste trouver, c'est sa façon de fonctionner. Et à travers cette vidéo, ce qu'on essaie de vous montrer, c'est qu'il y a le système de Tiger qui fonctionne très bien pour lui. Et peut-être vous balancer quelques idées comme ça pour voir si peut-être essayer ça la prochaine fois que vous êtes sur le parcours. Et si vous voyez que ça vous convient pas, c'est pas grave, il y a d'autres façons de faire les choses. Okay, bon, alors partons sur les 9 fenêtres, papa. Donc on va commencer avec le fade, ton coup naturel. Ok, bon, vas-y. Tu sais ce qu'on va faire, c'est que je vais parler de la fenêtre et ensuite toi tu vas nous raconter comment tu fais le fade. Parce que c'est ton coup naturel. Okay, d'accord. Parce que tu réalises le fade de un peu la même façon que Tiger le réalise. Donc, du coup, tu vas l'expliquer comme tu le fais d'habitude. Exact. Tu n'as pas gagné autant d'argent dans la carrière, mais quand même, tu le visualises et tu le fais de la même façon. Okay. Donc, on a 9 fenêtres. Ça commence déjà par derrière. Attends, papa. D'abord, je commence par mes 9 fenêtres et ensuite, explique le fade. Donc, Tiger qui a 9 fenêtres. Donc, on a les 3 fenêtres d'en haut qui sont le fade haut. On a les 3 fenêtres du milieu qui sont le fade intermédiaire, donc hauteur de balle, je parle de hauteur de balle. Et les 3 fenêtres du bas qui sont les trajectoires basses, donc plutôt le coup punché. Okay, donc papa, tu vas nous dire laquelle tu te sens le plus à l'aise. Et après, on parlera. Tu vas faire ton fade, tu vas expliquer ton fade. Ouais. Et ensuite, on parlera des 3 façons différentes de créer de la hauteur avec la même trajectoire. Donc, c'est-à-dire le fade, mais avec une autre trajectoire haute, intermédiaire et basse. Je te mets le micro. Oui, ok. Et on est go. Ok, donc je vais commencer par peut-être le plus simple, de tout, en tout cas pour moi, les 9 fenêtres, c'est la fenêtre à gauche en haut. Donc c'est un balle qui monte haut et qui va faire un fade vers la cible. Donc j'ai commencé forcément par visualiser derrière la balle. Je prends l'alignement vers la gauche parce que forcément ma balle, je souhaite qu'elle revienne sur la cible. Donc je m'installe, je garde la balle où je la joue normalement, donc à quelques centimètres et un tiers le pied gauche. Je fais mon coup d'essai et que je cherche à faire, c'est d'avoir l'impression que bien que la face du club ne ferme pas et que je finis très haut ici, très haut. Presque avec le coude en poulet comme ça, vous voyez, l'aile en poulet. Et on a vu d'ailleurs, on a vu Tiger Woods faire ça un ou deux fois hier, notamment, je crois que c'était dans les pignes, le trou, je crois que c'était le par 5, le dogleg par 5. Bon, il est obligé de sortir le coude pour éviter qu'elle ferme. Pour ceux qui ont vu le fameux coup de Tiger Woods dans le bunker, peut-être que vous l'avez vu, où il fait ce que lui l'appelle le finish à l'hélicoptère. Donc c'est qu'il tape la balle et le club finit. Montre-nous le finish. Ouais. Juste pour le fait exagéré, évidemment. Mais Tiger, dans ce fameux coup dans le bunker, était pratiquement comme ça. Donc il a exagéré énormément. Avec la paume de la main gauche face à la cible. Alors, c'est ça qui est important. Ce qui est intéressant dans tout ça, Alors ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que ça, de finir comme ça ou relâcher le club, ne va en aucun cas changer ce qui se passe à l'impact. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'impact, honnêtement, à partir du moment où on a tapé la balle, on peut finir comme ça ou comme ça, mais ça ne change pas l'impact. Mais le fait de visualiser un finish différent va instinctivement modifier ce qui peut se passer à l'impact. Parce que ce qu'on veut pour un fade, c'est avoir une face de club qui reste ouverte par rapport au chemin. Et ce qu'on veut par rapport à un draw, c'est on veut qu'une face de club soit fermée par rapport au chemin. Voilà comment on joue sur deux trajectoires différentes. Maintenant, pour un fade, du coup, le fait de visualiser ce finish-là, mécaniquement, ce qui va se passer, c'est que ça va créer une face de club qui va être ouverte par rapport au chemin. Donc, juste le fait de visualiser le club comme ça, ça va intensifier ce qui va se passer au niveau de l'impact. Donc, si on veut un gros fade, du coup, on peut visualiser le gros finish. Si c'est un mini fade, ça va être juste un club un peu plus contrôlé de cette façon-là. Absolument. Ouais. Mais en l'occurrence, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce finish qui est un petit peu différent que lorsqu'on fait un draw. Oui, parce qu'on veut surtout éviter qu'elle passe à gauche. Donc, on va éviter qu'elle passe. Souvent, vous avez vu les professionnels, quand ils sont en danger, de l'eau à gauche, par exemple, et les greens à droite, bon, on le voit tout à fait finir comme ça pour éviter que la balle passe à gauche. C'est un peu exagéré, mais c'est une espèce de protection contre la balle à gauche. Donc, pour revenir un peu, parce que si on fait 9 fenêtres, on n'est pas pour un moment là. Donc, la première fenêtre en haut à gauche, je vise à gauche du cible. J'imagine que mon finish, très haut ici.
Donc là, on passe sur la fenêtre d'en haut. Merci. Ah. Oui. Je peux continuer quand même. C'est bien, mais hein, voilà. Tu demandes à faire et après, voilà. Donc, je vise la fenêtre en haut à gauche. Ici. Tiens, il est aussi bavard que moi, lui. Donc on vise en haut à gauche. Voilà. Et hop. Donc, j'imagine tout à fait swing normal au niveau du backswing. Et j'imagine de finir bien haute avec le coude un tout petit peu. Voilà, donc finish. Vous voyez bien, la paume de la main gauche vers la cible. Donc ça, c'était pour moi sur un bon fade en hauteur. L'hauteur, parce que, je vais finir quand même, c'est que la sensation quand même de monter la balle comme ça, voilà, ben, je lève la balle davantage. Je mets la balle plus à gauche. Hein. On peut mettre la balle un peu plus vers le talon, mais pour moi, c'est de finir haut comme ça, fait que la balle ben, elle monte naturellement plus haut. Voilà. Tu peux maintenant. C'est toi. Si tu veux, non, c'est bon. J'ai fini la première fenêtre. On va sur la deuxième fenêtre. Alors, la deuxième fenêtre. Donc, la deuxième fenêtre, donc au milieu, ici. Donc, pareil. Voilà. Sauf que je vais faire exactement la même chose à l'adresse. Je vise à gauche. Je me place balle entière à pied gauche, 5 cm environ. Je vise à gauche du cible. Et là, cette fois-ci, je vais faire une trajectoire plus basse. Tout simplement, j'ai l'impression qu'avoir les mains plus en avant de la balle et de finir moins haut. Là, par exemple. Un demi, trois quarts finish. Donc, je vise la fenêtre à gauche. Voilà. Donc, une trajectoire beaucoup plus basse avec... En fait, je fais le ramasseur avec, de balle. Ouais, merci. Voilà, sois utile. Voilà. Voilà. Et finalement, le troisième, donc, le fenêtre en bas à gauche. Donc, balle basse avec fade. Peut-être vous avez des arbres qui vous gênent, les branches, etc. Vous faites un balle basse, mais qui fait un fade. On se dit souvent que c'est le coup le plus difficile à faire au golf, parce que forcément, pour laisser les clubs ouverts, pour qu'elle fasse un fade, la balle va en tendance toujours à monter. Donc, tout ce que je fais, pareil, garde la balle 5 cm en dessous le pied gauche. En général, je monte moins haut au niveau du backswing. Et je visualise avoir les mains bien avant, avec toujours le coude un peu vers l'extérieur. Voilà, donc ça c'était bien basse avec du fade. Louis, trois fenêtres. Vas-y, je te laisse faire. C'est gentil. J'espère que c'était assez... C'était très clair. Et d'ailleurs, ce que j'ai aimé, et là, si tu me le permets, si oui, crois, oui, hein, je vais juste prendre peut-être juste une minute là. Oui, pas plus. Mais ce qui va se passer, c'est que je voudrais montrer trois choses que tu as faites, et on n'en a même pas encore parlé, mais tu l'as fait instinctivement, ce qui est, c'est là où c'est vachement intéressant, parce que c'est comme ça que Tiger visualise les trois différents types de hauteur qu'il y a, trajectoire basse, mi-hauteur et haute. Donc mon père vous a montré comment il réalise le fade, mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur les trois différents coups qu'il a effectués, la hauteur de ses mains ont changé. Donc c'est-à-dire que sur la fenêtre du haut, il a fini avec des mains qui étaient vachement beaucoup plus hautes que lorsqu'il a visualisé la fenêtre du bas, où là, les mains ont fini beaucoup plus bas. Et c'est exactement comme ça que Tiger effectue les trois types de trajectoires, donc basse, intermédiaire et haute. Si je me mets de profil par rapport à vous, en fait, les mains, donc, pour visualiser une trajectoire de balle haute, les mains au-dessus de la tête. Pour visualiser une trajectoire de balle intermédiaire, les mains à la hauteur de la tête. Et pour visualiser une trajectoire de balle plus basse, les mains en dessous de la tête. Donc les trois types de hauteur de mains. Et la raison pour laquelle je vous parle de la tête, parce qu'encore une fois, dans notre coaching, on essaie toujours de donner des feedbacks visuels. Quelque chose qui peut être des clés, images, qui peuvent vraiment vous aider à déterminer si oui ou non vous avez réussi à effectuer le bon geste ou pas. Parce que des fois, on se dit... Trajectoire de balle basse, comment je fais? Bah, visuellement, j'aime bien avoir des clés juste avant de taper. Parce que penser technique, c'est très difficile. Mais visualiser quelque chose, c'est beaucoup plus facile qu'essayer de penser à quelque chose de technique. Donc le fait de visualiser ou sentir que les mains vont finir hautes, au-dessus de la tête, et dans un autre cas, et là, j'avais pas eu besoin de mécaniquement penser à comment faire une balle haute. Je pense juste à amener les mains au-dessus de la tête, ouais. Au finish. Ouais. Balle basse, pareil. Balle basse, si je veux faire une balle un peu plus basse, du coup, les mains en dessous de la tête. Est-ce que je pense à comment faire une balle basse? Non.
J'ai juste l'image visuelle, c'était d'amener les mains en dessous de la tête. Donc on essaye toujours de trouver des images visuelles qui vont vous permettre de moins être dans l'aspect réflexion technique quand vous tapez un coup de golf, plutôt dans l'image, dans l'imagerie, en quelque sorte. Ok, papa, si tu veux juste reprendre le club. Ouais. Ok, alors, parfait. Maintenant, on va parler un petit peu du draw. Okay. Pour finir ce live en direct. N'oubliez pas, pour les personnes qui viennent de se connecter, juste après que mon père explique le draw, on aura également une analyse technique du swing de Paul Casey, leader. Alors, au moment où, avant de tourner ce live, il était co-leader à moins 7. Et à travers l'analyse de swing de Paul Casey, qui est super intéressante, et on rentrera un peu plus en détail sur les clés techniques de Paul Casey la semaine prochaine avec mon père, on va faire en fait un live spécial senior. Et vous allez voir que dans les deux clés dont je me suis inspiré dans le swing de Paul Casey, est quelque chose sur lequel on va sûrement reprendre la semaine prochaine pour un live senior. On rentrera beaucoup plus en détail. Donc, surtout, regardez la vidéo Paul Casey juste après, parce qu'il y a deux clés que vous pouvez utiliser même dans votre salon. Vous allez voir que j'ai réalisé la vidéo d'une façon à ce que vous pouvez vous lever dans votre salon avec un club de golf ou même sans club et effectuer les deux clés dont je vais vous évoquer juste après. Ok, papa, je te donne la parole pour maintenant le draw. Ok. Ok, donc si on est bien d'accord que pour faire un fade, on vise à gauche, le face du club doit être ouvert à l'impact. Si c'est balle basse, moyenne hauteur ou très haut, c'est pareil, le club doit être un peu ouvert. Avec le draw, c'est le contraire. Il faut que le face du club elle est fermée à l'impact, légèrement fermée, par rapport au chemin, à l'impact. Donc, on commence par faire. Donc, la balle le plus, pour moi, en tout cas, le plus facile des trois, c'est la balle basse en draw. Donc, je vise à droite du cible, forcément. Alors, soit vous avez le choix de fermer un tout petit peu le face du club par rapport à la ligne de vos pieds, ou de le fermer pendant l'impact. Okay? Alors, pour moi, c'est plus facile pour moi de fermer le club pendant que je traverse. J'ai l'impression que pour faire un draw, je dois avoir plus de release ici. Voilà, vous voyez, plus de release avec la pointe du club qui dépasse un peu le talon pour faire un draw. Je trouve plus facilement parce que ce n'est pas mon coup naturel. Donc, je me place. Donc, avec le face du club square par rapport à cet objectif-là. Et tout simplement, pour faire un balle basse, je cherche à avoir l'impression d'avoir les mains beaucoup plus en avant. Oui, beaucoup plus en avant pour faire des balles basses, comme ça, avoir cette impression-là, et de finir donc en demi, trois quarts de swing, à peu près à cette hauteur-là. Là. Donc, balle basse à droite, fenêtre en bas. Placement. Alors là, on a parlé. On a parlé des mains, mais est-ce que tu peux aussi parler de la position de balle? Est-ce que tu la changes pour une balle basse et une balle haute très rapidement? Alors, si très basse, oui. Si on va faire un balle quand même ras du sol pour passer sous les branches, je déplace la balle plus à droite. Mais là, on parle du visuel. Donc, on ne parle pas vraiment de voilà. Ouais. Mais on peut faire un balle basse en mettant la balle toujours en même position, simplement avec l'impression d'avoir les mains beaucoup plus en avant. Effectivement. Si j'enseigne ça peut-être à quelqu'un qu'on appelle un week-end golfeur, j'ai plus une tendance à dire, voilà, tu en mets la balle un peu plus vers le pied droit pour déjà créer une position avec les mains un peu plus en avant à l'impact. Okay. Pour moi, c'est plus facile à faire ça pour un joueur. Donc là, tu m'as fait le draw balle. Le draw balle basse, donc. Le draw balle basse va toujours être plus facile. Oui. Parce que justement, le fait que la balle soit un peu plus en arrière va encourager un chemin de club. Si on met la balle plus en arrière, oui. Si on met la balle en arrière. Maintenant, peut-être le draw avec la balle haute. Alors, le draw pas haute, alors ça, pour moi, c'est beaucoup plus facile. Alors, je le vise donc en haut, je vise à droite, donc du cible. Et l'impression, pareil, c'est de fermer le club pendant que je traverse la balle et de finir avec les mains beaucoup plus hautes ici. Vous avez vu la hauteur là, hein? Regardez la hauteur des mains, c'est ce que j'ai indiqué. Les mains pour une balle haute, hein, au-dessus de la tête. Voilà. Et tout à l'heure, pour la balle basse, c'était un peu plus en dessous de la tête. Ouais, main haute, balle haute. Hein. Balle haute. Voilà. C'est bien ça, main haute, balle haute, main basse, balle basse. Exactement, balle basse, donc c'est bien là, ici. Ouais. Balle haute, et c'est les mains hautes. Voilà. On voudrait vraiment le faire appel parce que le titre de ce live, c'était Tiger Woods. C'est exactement comme ça que Tiger place ses mains pour ces trois différentes hauteurs. Hein. Donc, c'est exactement le schéma Tiger
Et donc du coup, bah, la bonne nouvelle, c'est que puisque mon père a une façon identique de voir les choses, ouais. bah, il arrive à l'expliquer très, très simplement. Absolument. Donc, quand on fait balle haute avec draw, donc je vise à droite. Ok, j'ai toujours conscient que je dois fermer mon club parce que c'est pour moi, c'est pas un coup naturel. Et je finis avec les mains. Donc, haute pour faire un balle haute. Là, c'était parfait. J'ai senti vraiment ça. La balle est montée direct. Mes mains très hautes avec mes mains un peu fermées par rapport au fade où j'étais plus là. Le draw, je suis plus là. Vous voyez? Le fade plus le club comme ça en palmer. Le draw, la tête du club plus vers les mains à gauche. Voilà. Ok, t'as pas une dernière parce qu'il commence à pleuvoir? Oui. Alors, on peut juste revenir un peu sur la balle basse d'ailleurs. Pour donc, la position de balle pour moi naturelle, c'est 5 cm intérieur de talon gauche ici. Voilà. Mais si on veut vraiment faire un balle très basse, on parle de passer sous les branches d'un arbre, etc. Voilà, on peut passer le bas beaucoup plus sur le pied droit. Les mains sont forcément beaucoup plus en avant. Le club est forcément beaucoup plus fermé. Et le bas va partir tout de suite basse. Et là, ne fait pas le finish complet. Vous allez bien voir. Voilà, les mains très basses. Vous voyez la tête du club aussi hein? Ah ouais, top, ok, top, pas là. Oui, c'est ça. En fait, okay. Le fade, ouais. J'ai bien aimé le fait de la main gauche. Ouais. Avec le fade, de dire que la main gauche, elle pointe vers la pomme de la main gauche est face à la cible. Ouais. Et pour le draw, elle va être un peu plus justement face à moi. Ouais. Pas autant, évidemment, c'est exagéré. Ouais. Plus là. C'est l'image, c'est cette main gauche. Ouais. Pomme de la main gauche face à la cible pour le fade. Pomme de la main gauche qui pointe un peu plus. Ouais. Comme si on fait du stop. Hein, ouais. Comme si on fait du stop. Voilà, plus là. Ok, super. Voilà. Papa, je vais te reprendre. Bravo. Super, merci. Je te reprends juste ça. Sinon, il va le garder toute la soirée. Et merci pour toutes les personnes qui nous regardent. Alors, restez connectés parce que dans à peu près 10 secondes, vous allez voir la vidéo du swing du Paul Casey. Donc, l'analyse avec les deux clés que vous devez absolument suivre si vous voulez progresser dans votre swing. Il y a deux choses essentielles dans le swing de Paul Casey qui lui a permis de jouer moins 7 aujourd'hui. Papa, nous, on sera de retour la semaine prochaine pour un live spécial senior. Exact. Hâte de le faire. Super. Hâte de le faire. On sera sur la terrasse et justement, on va vraiment s'adresser aux joueurs seniors. La semaine prochaine, deux lives de ma part. Donc, un qui sera tout public et un autre avec mon papa qui sera donc senior. Et bon Masters. Et bon Masters, bon Masters. Restez connectés, il y a la vidéo de Paul Casey qui arrive. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir regardé ce live. Bon Masters ce week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Restez connectés pour la vidéo de Paul Casey qui arrive maintenant. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Wallace et je suis coach de golf professionnel. Cette semaine, c'est le Masters à Augusta, un de mes tournois préférés. Et le leader actuel au Clubhouse, moins 7, Paul Casey, est un de mes joueurs préférés. Et à travers cette vidéo, ce que je voudrais faire, c'est de Paul Casey pour améliorer votre jeu. A tout de suite. Alors concrètement, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais m'appuyer dans le swing de Paul Casey pour vous permettre d'améliorer votre swing et votre jeu. Alors, les problématiques fréquentes que je vois au quotidien chez beaucoup de joueurs amateurs, c'est qu'ils n'arrivent pas à effectuer le backswing d'une façon performante, ce qui en retour va influencer le downswing. Oui, le downswing est plus important que le backswing, mais le backswing va énormément influencer ce qui va se passer par la suite. Donc, une des problématiques fréquentes que je vois, c'est un manque de rotation dans le backswing, manque de mobilité, on arrive au sommet où le corps n'a pas tourné correctement et le club n'est pas positionné d'une façon optimale. Alors oui, il y a plusieurs façons de swinger un club de golf, mais à travers cette vidéo, je voudrais vous montrer deux choses sur lesquelles on peut s'appuyer dans le swing de Paul Casey, que tout le monde peut utiliser pour vous permettre d'avoir plus de régularité au niveau de votre contact de balle. La première chose qu'on voit dans la structuration de Paul Casey, même avant de taper la balle, dans sa façon de s'organiser, c'est on voit un pied droit qui est légèrement pointé vers l'extérieur. Et ce que je veux dire par là, c'est que si vous imaginez que votre pied droit est pointé à 12 heures, pour ceux qui ont un manque de mobilité et qui connaissent un manque de rotation dans le backswing, juste le fait de pointer le pied droit à 13 heures, donc imaginez qu'on est à l'intérieur d'une horloge et que du coup le pied droit pointe à 12 heures devant moi ici, je veux que mon pied droit aille tourner l'aiguille et aller sur 13 heures. Donc on n'a pas besoin qu'il soit non plus à 15 heures, mais juste le fait de l'avoir à 13 heures, ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de facilité maintenant à tourner, à pivoter autour de cette jambe droite pour créer un chargement optimal au sommet du backswing et charger correctement sur ce côté droit. Donc ça, rien que ça, et d'ailleurs je vous encourage, pendant que vous regardez cette vidéo, levez-vous et faites cet exercice avec moi puisque vous allez tout de suite sentir des très bonnes sensations au niveau de backswing. Juste le fait d'avoir ce pied droit pointé à 13 heures, on vient maintenant, on sent qu'on a plus de facilité à tourner la hanche droite et de la travailler d'une façon à ce que cette hanche droite ici
va venir charger maintenant sur le côté droit. On ne veut surtout pas, en fait, en l'occurrence, quand le pied droit pointe à 12 heures, on voit beaucoup de personnes qui essayent de transférer à droite et on voit en train de bouger plutôt les hanches de cette façon-là. Okay, on va avoir une rotation interne de la hanche droite chargée correctement ici pour nous permettre d'avoir le corps bien positionné au sommet. Ça, c'est la première chose. Alors, juste avant de découvrir la clé numéro 2 de Paul Casey, je vous invite à aller découvrir ma page web wallacegolfacademy.com pour maîtriser les 7 points clés d'un swing régulier. J'ai créé un programme intitulé Coaching Régularité Indoor où je parle en fait des 7 points clés. Je vous aide à les maîtriser à travers des exercices que vous pouvez reproduire de chez vous sur des séances très bien structurées. Retour à la vidéo maintenant de Paul Casey. La deuxième chose, c'est la relation entre les mains et le buste. Donc, encore une fois, je pars de la problématique que je vois fréquemment chez les joueurs amateurs, c'est que ce club a une tendance à démarrer d'une façon à ce qu'il se retrouve beaucoup trop derrière soi ou beaucoup trop à l'extérieur par rapport à la ligne de jeu. Okay, la ligne de jeu, on part de la balle vers la cible. Okay, donc, en l'occurrence, je vois soit ça, évidemment, j'exagère pour le but de cette vidéo, ou un club qui s'enroule beaucoup trop rapidement. Donc, une des clés visuelles que Paul Casey utilise dans son swing que j'adore, c'est de travailler d'une façon à ce que les mains soient en relation avec les boutons sur le polo. Donc, les boutons qui sont juste au centre, donc sur le sternum ici. Les mains, en fait, travaillent d'une façon à ce que, regardez, quand je tourne les mains ou quand j'engage les boutons du polo tournent avec les mains. Et ça nous permet de ressentir que tout démarre en même temps. Ce qu'on appelle en anglais « the one piece takeaway ». Tout démarre en un bloc, ensemble. Regardez, juste de cette façon-là. Maintenant, si les boutons ne bougent pas, et c'est uniquement les mains qui engagent le club, voici ce qui va se passer. Les boutons sont maintenant un peu plus vers la gauche par rapport aux mains. Et là, maintenant, de cette position-là, ce qui va se passer, c'est que vous avez deux options. Soit le club va revenir se coucher derrière soi pour essayer de créer un peu de rotation, ou soit à partir de là, vous allez monter verticalement. Et puis là, encore une fois, de cette position-là, ça va être très compliqué de faire des bonnes choses dans le downswing. Okay, aujourd'hui, on s'appuie vraiment sur le backswing. Mais encore une fois, n'oubliez pas que le backswing influence le downswing. Donc, une image visuelle, c'est d'avoir les mains qui travaillent en relation dans le backswing avec les boutons. Donc là, vous voyez que les mains sont en ligne avec les boutons de mon polo jusqu'au moment où j'arrive au buste. Donc juste là. Là, les mains sont toujours en relation avec les boutons du polo. Et à partir de là, maintenant, les mains vont travailler soit... Alors, c'est là où on rentre un peu plus dans la personnalisation du backswing. C'est là où on peut coucher un peu plus le club. Pour certains d'entre vous qui vont monter un peu plus vertical, il y a plusieurs types de finitions quand on arrive au sommet du backswing. Mais rien que d'avoir ces deux images clés. Le pied droit qui pointe à 13 heures à l'adresse et les mains qui travaillent en relation avec les boutons sur le polo, ces deux choses-là vont vous assurer que vous démarrez votre backswing de la bonne façon et vont vous aider à influencer le downswing, ce qui en retour va vous permettre de mieux compresser la balle et contrôler vos distances. Ok ? Allez, on essaye. Alors, si vous ne pouvez pas faire ça avec une balle parce qu'évidemment on est en confinement, rien que le fait de le faire avec un club et travailler dans votre salon en regardant cette vidéo, je vous promets que vous allez avoir des super sensations. Je travaille toujours avec des points clés et je trouve que et du feedback. Et le fait d'avoir ce feedback avec les mains en relation avec les boutons, c'est génial. Donc, le pied droit qui pointe à 13 heures. Je fais juste mon backswing, juste pour vérifier que les mains travaillent en relation avec les boutons de mon polo. Et à partir de là, je vais swinger avec cette même idée. Balle qui part. Alors, même si vous n'avez pas la capacité de taper des balles comme je le fais, faites cet exercice dans votre salon chez vous. Vous avez un minimum de place pour faire juste effectuer le backswing avec un club. Même sans club, juste vous travaillez avec les mains, juste pour vérifier que les mains travaillent en relation avec les boutons du polo. Faites ces deux choses-là, je vous promets que ça va vous aider. Si vous souhaitez découvrir les autres points clés d'un swing régulier, je vous encourage à visiter ma page web. Je mettrai un lien quelque part juste en dessous de cette vidéo ou un bouton, un appel à l'action pour aller visiter la page de mon nouveau programme, programme Coaching Régularité Indoor. À travers ce programme, on travaille sur plusieurs séances sur chaque compartiment d'un swing ou du swing pour vous permettre d'avoir le swing le plus régulier possible et en retour, ce qui vous permettra évidemment d'avoir beaucoup plus de plaisir à jouer sur le parcours. À très vite.